faut calmer tout ça. Ça va. Ouais, on a le temps. Ouais, non. Et voilà. Sur comment il faut défendre cet écran porteur. Allez, Paul Rigaud, il est bien dedans. Voilà, là, Paul Rigaud. Depuis le début du match. Paul Rigaud à 3 points. Voilà, la cloche. Et pour le coup, autant ça balbutie un petit peu en début. Bravo Paul Rigaud. Oui, ça celui-là va faire beaucoup de bien. Et ça va être pour Jordan Zamora. Oui, un peu trop collectif peut-être. Eh bien non, eh bien, très bien trouvé. Zamora, deux joueurs sur lui. Paul Rigaud, pas en réussite encore ce soir, mais il va peut-être me faire mentir. Bah voilà. Et bah voilà. Tortosa qui est rentré aussi. Plus rapide, voilà. Allez trouver Paul Rigaud là-bas, à tout seul à 3 points. Voilà, c'est dedans. Ballon dans les mains de Jordan. Oh, la passe dans le dos pour Paul Rigaud à 3 points. Des ficelles. Et ben voilà, la filoche. Et le ballon récupéré toujours par Evreux sur le côté. Allez, pour Paul Rigaud. Il aime seul de face. Et voilà, c'est déjà la deuxième pour Paul Rigaud. Jordan Zamora, quel beau joueur basket. On aura l'occasion de revenir si vous êtes supporter de Quimper, que vous ne connaissez pas encore ce joueur, vous allez vous en apercevoir. Paul Rigaud. Alors ça fait du bien, hein. Un premier tir. Ah, ça c'est une bonne position à 3 points. Voilà. Il y a Marquise-White, pardon. Qui va jouer Paul Rigaud, premier panier et réussi. Première fléchette surtout. Quelques centimètres supplémentaires, mais le physique est pour Tyron. Paul Rigaud à 3 points, décalé, il est capable. Ça, voilà. Le missile est converti. Paul Rigaud, première intention à 3 points. La ficelle. Plus 3 pour Denain. Allez, Paul Rigaud pour la deuxième. Voilà, la deuxième filoche de suite pour lui. Un match n'est jamais terminé tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Allez, vous Paul connaissez Rigaud l'histoire. Pour répondre, c'est dedans.